Nous allons étudier les sites octaédriques dans la structure hexagonale compacte. Maintenant, on va passer pour étudier les sites octaédriques dans la structure hexagonale compacte. Donc, on schématise la maille hexagonale, donc le plan A, les trois atomes du plan B qui sont à l'intérieur de cette maille et le plan A qui représente la face d'en haut de cette hexagonale. Alors, pour mieux visualiser les sites hexagonaux, je vais représenter les atomes du plan B des hexagonales qui sont à côté. Donc je vais représenter cette hexagonale qui est ce sommet. Avec ce sommet, je passe vers ce sens. Ensuite là, là, là et là. Voilà. Si je prends juste le plan B pour ne pas encombrer le schéma, je vais avoir un hexagonal qui est à côté de celui-là. Et voilà le plan B. Donc, l'équivalent de cet atome-là sur le plan B de cette hexagonale-là, elle est située à ce niveau ici. Celle-là, ça va être vide. Là, elle est occupée, vide, occupée, pour que ça soit identique à ce plan B. Alors, je vais avoir un atome ici. Et on a dit la dernière fois, pour représenter un plan, un octaèdre, je dois avoir un carré et un sommet d'un côté et l'autre sommet de l'autre côté. Sinon, deux triangles dont les sommets sont opposés. Donc, si je raisonne sur les triangles, voilà, je vais avoir un triangle équilatéral, le sommet elle est vers moi, et voilà un autre triangle équilatéral, et le sommet elle est vers l'intérieur. Donc, elles ont des sommets opposés. Et par conséquent, elles vont former un octaèdre. Si je raisonne sur un carré avec un sommet en haut et un sommet en bas, donc je vais considérer ce point, ou bien cet atome, avec celle-là, et je passe vers celle-là, et je monte en haut. Voilà un carré. Et cet atome-là, il va représenter un sommet. Et cet atome ici, il va représenter un sommet. Donc voilà le premier triangle, le deuxième triangle avec deux sommets opposés et ça constitue un octaèdre. Voilà l'octaèdre, maintenant, elle est là. Et maintenant, je vais chercher le centre ou bien le site, le centre de cet octaèdre. Donc voilà le centre ici. Si je prends ces trois points-là, ces trois atomes, ils vont avoir comme barycentre le milieu de ce triangle-là. D'accord? Avec ces sept atomes, il a une masse M, sept atomes, une masse M, sept atomes, une masse M. Et ces atomes, ils sont identiques. Donc chacune, il va avoir comme masse M. Donc, le baryce, je peux les représenter par un seul atome ici, mais avec une masse 3m. Donc, elle est là. De même, je considère cet atome qui a une masse m, celle-là qui a une masse m, cette troisième qui a une masse m, et je peux les remplacer par un atome situé au centre ici, de ce triangle. Cet atome qui est au centre là, pour remplacer les trois autres, elle va avoir une masse 3m. Donc je cherche maintenant le barycentre entre cette masse avec 3m et cette masse avec 3m. Donc la distance qui sépare
le centre de ce triangle et le centre de ce triangle, c'est C sur 2. Je la divise par 2 pour trouver le barré centre. Ça donne C sur 4. Et je l'ajoute à C sur 2 qui sépare le plan B du plan A qui représente le Z égale 0. Donc voilà, C 1 demi, C fois 1 demi, plus C divisé par 4. L'ensemble, elle va donner 3 sur 4 par rapport à C. Donc voilà, le site octaédrique, elle est située à Z égale 3 quarts. Maintenant, on va passer pour visualiser les autres sites octaédriques. Ce qui est dit pour ce octaèdre qui est en haut, je peux l'appliquer pour l'octaèdre qui est en bas. Donc voilà un triangle dont le sommet il est envers moi et un autre triangle équilatéral dont le sommet est vers l'autre sens. Donc l'ensemble, il va donner un octaèdre. Sinon, je peux dire que j'ai un carré. Voilà le carré. Avec un sommet situé à ce niveau et un deuxième sommet situé à ce niveau-là. Donc, il donne un octaèdre équivalent à celui qui est en haut. Donc, sauf avec un Z égal à 1 quart. Je fais le même raisonnement comme tout à l'heure. Ces trois atomes, je peux les remplacer par une masse 3m. Et ces trois atomes-là, je peux les remplacer ici sur le centre, sur le barycentre de ce triangle par une autre masse 3m. Et je trouve le barycentre de ces deux masses-là. Elle sera située à 1 quart. Voilà, j'ai trouvé déjà deux sites octaédriques sur cette maille hexagonale. Je vais chercher s'il y en a d'autres. Maintenant, je vais considérer cet atome avec celle-là, avec celle-là. Elle forme un triangle équilatéral, sachant que la troisième là, elle appartient à l'hexagonale qui est à côté. Donc l'atome du plan B de l'hexagonale qui est à côté. Donc ces trois, elles forment un triangle équilatéral dont le sommet, elle est envers moi. Et ces trois autres qui sont en haut, celle-là avec celle-là avec celle-là, elles forment un triangle équilatéral dont le sommet, elle est vers l'autre sens. Elle est opposée au premier. Donc, ils peuvent former un triangle, ils peuvent former un octaèdre. Et le voilà, je le représente. Je fais le même raisonnement pour trouver le centre de cet octaèdre. Il est situé à 3 quarts. Ce que j'ai trouvé en haut, je peux le trouver en bas. Voilà le triangle ici. Et ici en bas, j'ai cet atome avec celle-là, avec celle-là, qui est opposé. Donc, ils forment un triangle dont le sommet il est opposé par rapport à ce triangle-là. Et il peut former un octaèdre avec le premier triangle. Et le même raisonnement, je trouverai le centre ici situé à un quart par rapport à Z. Donc voilà, maintenant j'ai trouvé 4 sites octaédriques. Il y en a encore d'autres. Si je considère ce triangle dans le sommet, elle est vers l'autre côté. Et je considère cet atome avec celle-là, avec l'atome du plan B de l'hexagonale qui est devant celui-là. Elles vont donner un triangle dont le sommet elle est envers moi. Et elles vont former avec celui-là un octaèdre aussi. Et il va avoir un sommet, un centre ici situé à 3 quarts. Et son équivalent en bas avec un centre situé à 3 quarts.
Donc je ne l'ai pas représenté pour ne pas trop encombrer le schéma, pour que ça reste clair. Maintenant, si je représente la pseudo-maille, voilà ce que je trouve. Donc je vais représenter cette pseudo-maille. Cette pseudo-maille là. Donc la tombe là, elle est située sur ce triangle, voilà son équivalent. Et ici, je vais avoir le centre du site octaédrique. Il est situé à z égale à 3 quarts. Et l'autre qui est en bas, il est situé à z égale à 1 quart. Donc, pour la maille hexagonale, la maille triple, je vais avoir au total 6 sites octaédriques par maille. Par contre, pour la maille, pour la pseudo-maille, je vais avoir 2 sites octaédriques par maille. Et elles sont situées dans l'autre triangle opposé par rapport au triangle où il est situé la tombe du plan B. C'est intéressant à noter cette remarque. Lorsque j'ai la tombe du plan B située ici sur ce triangle, les sites octaédriques, ils seront situés à un quart sur le plan à un quart et le plan à trois quarts, mais sur le triangle qui est de l'autre côté.